Merci beaucoup pour cette présentation et bonjour. Oui, donc il va s'agir pour moi, dans le cadre de ces trois conférences successives, de revenir un peu sur la question Aragon et de revenir du même coup sur le long travail que j'ai consacré à cet écrivain, qui a pris donc la forme récemment de cette biographie parue chez Gallimard. Mais ce travail que j'évoque avait commencé pour moi bien plus tôt, il y a une vingtaine d'années, à travers la contribution qui a été la mienne, donc à l'édition des œuvres romanesques et poétiques d'Aragon dans la bibliothèque de la Pléiade, à quoi s'ajoute également un petit livre que j'ai fait paraître il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans je crois maintenant, aux éditions Cécile Defaux à Nantes, sous le titre de « Vertige d'Aragon ». Autant dire qu'en 3 fois 1 heure et demie, il s'agira pour moi essentiellement de disposer en marge de ce long travail quelques notes, quelques remarques, sans du tout espérer être exhaustif, bien sûr, hein, mais dans l'intention de redoubler de façon fragmentaire donc le geste que j'ai accompli depuis quelques années maintenant, qui donc a abouti à cette biographie. Biographie qui vise à évoquer Aragon tout en réfléchissant, j'allais dire, la possibilité mais aussi l'impossibilité qu'il y a à faire sous une forme ou sous une autre le portrait d'un autre. Éventuellement, je reviendrai sur ces questions qui sont des questions de méthode mais qui engagent également une réflexion sur le fond et sur la faculté que nous avons ou pas donc de pénétrer, comme il vient de l'être dit, dans le mystère d'un autre. En général, les biographes racontent pour expliquer, autant que c'est possible. Moi, il me semble que l'enjeu du geste biographique, comme celui du geste romanesque d'ailleurs, c'est de raconter, mais plutôt pour faire surgir la part d'inexplicable que toute existence recèle. Cette deuxième attitude, donc, raconter pour nous confronter à de l'inexplicable plutôt que de raconter pour faire advenir de l'explicable, cette deuxième attitude, elle me semble plus fidèle à ce que fut le jeune poète surréaliste par quoi Aragon a commencé. Je voudrais commencer avec une très brève citation. Ce n'est même pas une citation, c'est une formule que je prends à un texte d'Aragon. Le texte dont je parle est un texte assez peu connu, mais tout à fait capital, et donc je vous recommande sa lecture. Il s'intitule « Lautréamon et nous ». Il a paru en 1967 dans l'hebdomadaire culturel dont Aragon était à l'époque le directeur, à savoir donc les Lettres françaises. Aragon, en 67, rendait hommage à son grand ami disparu l'année précédente, André Breton. Et à l'occasion d'un petit livre signé du poète Marcelin Planet, consacré donc à Lautréamont, il essayait d'expliquer ce qu'avait été pour les jeunes surréalistes, ou plutôt pour les jeunes gens qui ne s'appelaient pas encore des surréalistes, mais qui allaient bientôt revendiquer ce titre. Donc il s'agissait pour Aragon d'expliquer en quoi la figure de Lautréamont avait pu être séminale et décider en quelque sorte de toute l'aventure dans laquelle Breton, Aragon et les autres étaient sur le point de s'engager. Et dans ce texte, donc, Aragon se présente, lui, Breton, les autres, comme, je cite, donc, les aventuriers d'une aventure qu'on ne comprend pas. Ben, ce mot que je prends pour point de départ des 3 conférences que je vous propose est aussi le mot par lequel je termine donc, la longue biographie qui vient de paraître il y a quelques semaines, car je crois qu'il dit tout et qu'on ne peut guère aller au-delà de ce qu'il signifie. Aragon nous confronte à une aventure qu'on ne comprend pas, qu'il ne comprit pas, que les contemporains ne comprirent pas et que nous-mêmes, sans doute, nous ne pouvons pas comprendre davantage. Mais pour paraphraser une formule célèbre de Beckett, je dirais qu'il s'agit en quelque sorte de mieux ne pas comprendre Aragon afin de le libérer de toutes les explications fausses dont en général on l'affuble, afin de tenter de réduire, et bien en vain d'ailleurs, le mystère qu'il nous oppose.
Avant d'en venir à mon sujet d'aujourd'hui, à savoir la poésie, je voudrais donc vous proposer quelques réflexions en guise de préambule et en guise également d'introduction donc aux trois chapitres à venir de ces trois conférences. Le mot-clé, vous l'avez compris, c'est celui de mystère ou c'est celui d'énigme que revendiquait Aragon dans tous ses textes, textes de jeunesse comme textes de la maturité. Aragon se présentait lui-même comme une énigme. En vérité, il est à lui seul toute une série d'énigmes. Et ce sont ces séries d'énigmes que je voudrais essayer de déplier un petit peu avec vous et devant vous aujourd'hui et dans les 15 jours qui viennent. Énigmes poétiques et littéraires, énigmes politiques et idéologiques, énigmes érotiques et amoureuses. Voilà un peu le matériau que je voudrais donc essayer de travailler devant vous. En commençant donc par la poésie, par la littérature, parce que c'est essentiellement à ce titre-là qu'Aragon nous intéresse. Il est, me semble-t-il, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Il a laissé une œuvre énorme, une œuvre multiple, une œuvre contradictoire. Énorme, certainement. L'édition Pléiade à laquelle j'ai contribué compte 7 volumes, 5 pour les romans, 2 pour la poésie. Et ça n'est encore qu'une faible partie du volume total de l'œuvre d'Aragon si elle devait être publiée un jour, ce qui n'arrivera pas malheureusement dans son intégralité, parce qu'il y a le reste, il y a les essais, il y a les articles de journaux, et tout ça foisonnant au point que l'on s'y perd. Une œuvre énorme, donc une œuvre multiple aussi, essentiellement romanesque, poétique, essayistique. Mais surtout, et c'est peut-être là que gît en quelque sorte l'énigme principale, une œuvre contradictoire où coexistent en effet la part de l'expérimental et la part du conventionnel. Aragon a été tout au long de sa vie un auteur qui a regardé à la fois du côté de l'académie et du côté de l'avant-garde et qui peut être semblablement revendiqué par l'une et par l'autre, ce qui contribue à la richesse, mais aussi au caractère problématique donc, de son écriture. Voilà les énigmes poétiques sur lesquelles nous allons revenir dans un instant. À quoi donc s'ajoutent des énigmes d'ordre politique et idéologique ? Là aussi, le caractère contradictoire et paradoxal du personnage est tout à fait frappant. Comment concilier les images opposées que nous propose un homme qui fut à la fois un dandy désengagé, désabusé, anarchisant à l'époque du dadaïsme et du surréalisme au tout début des années 20, mais aussi à peine plus tard, dès la décennie suivante, un militant discipliné et même un apparatchik du Parti communiste français et du mouvement communiste international. Comment en se limitant même à la figure de l'écrivain communiste, concilier les différentes facettes de ce militant que fut Aragon et qui, à une période de sa vie, participa au premier rang à la mobilisation intellectuelle antifasciste aux côtés de Gide, de Malraux et de bien d'autres. Et ce même homme, à la même époque, fut aussi celui qui applaudit au pacte germano-soviétique et qui donc célébra l'alliance de Hitler et de Staline, alliance contre laquelle il n'avait cessé de lutter quelques années auparavant. Aragon fut aussi, toujours du côté des mêmes énigmes politiques et idéologiques, le zélateur des procès de Moscou, l'homme qui applaudit les fusillades et les pelotons d'exécution, et bien des années plus tard, il fut aussi, et ça on l'a davantage oublié, l'un des premiers intellectuels français à apporter son soutien aux dissidents russes, à Solzhenitsyn tout d'abord, puis à Kundera et aux intellectuels tchécoslovaques qui eurent à souffrir de la répression consécutive à l'écrasement du printemps de Prague en 1968. Énigmes érotiques et amoureuses, enfin. On se rappelle souvent Aragon comme le grand poète de l'amour exclusif et conjugal, et pourtant le vers le plus célèbre de ce chantre de l'amour
rendu fameux par une chanson de Georges Brassens, dit de l'amour qu'il n'y en a pas d'heureux. Vous connaissez le poème et la chanson. Aragon fut célèbre pour le couple qu'il forma pendant des décennies avec Elsa Triolet, mais cet amour donc qu'il revendiqua et qu'il contribua à rendre éternel ne le détourna pas non plus de ce qu'il appelait lui-même à la fin de sa vie le goût des garçons. Et c'est une autre énigme qui vient s'ajouter à toutes les autres et que j'évoquerai au cours de notre dernière rencontre. Du coup, la question se pose fatalement de savoir où est la vérité d'un tel homme. Et peut-on même parler de vérité, ou en tout cas de vérité unique à propos d'un personnage si fuyant et si insaisissable ? La vérité d'Aragon, il a voulu lui-même qu'elle soit inséparable du mensonge qui la double, une formule très fameuse est venue fixer en quelque sorte tout cela, et on veut en général qu'en elle se résume Aragon. On parle à son propos du mentir vrai, et c'est sur cette formule que je voudrais conclure ce préambule, cette introduction, en rappelant ce qu'elle signifie et d'où elle vient. Ce qui est aussi une manière de commencer par le commencement, puisque ce texte d'Aragon, Le mentir vrai, donc, est une nouvelle qu'Aragon a publiée en 1964 dans ses œuvres romanesques croisées. Et il s'agit du premier texte, ou de façon significative en tout cas. Aragon revient sur ce qu'on a souvent présenté comme le mensonge originel dont toute son existence était sortie. Ce texte s'inscrit dans un genre qui est le genre du récit d'enfance, genre qui à l'époque se trouve réactualisé par Aragon dans la mesure où donc il a dépassé la soixantaine, il a largement dépassé la soixantaine, hein, il est né en 1897, Aragon est en train de procéder à la réédition de toute son œuvre, romanesque d'abord dans les années 60, puis poétique ensuite. Et à la faveur de cette réédition, donc, il signe toute une série de textes dont la dimension autobiographique est plus ou moins marquée. Donc, il s'agit pour Aragon, donc, dans les années 60, de revenir vers son enfance à une époque où l'enfance fait à nouveau question de façon tout à fait intéressante et stimulante pour les écrivains français. Ce genre du récit d'enfance, il se trouve réactualisé quelque temps auparavant par un autre écrivain important auquel Aragon a toujours prêté beaucoup d'attention, qui est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, donc, qui fait paraître également en 1964 sa grande autobiographie sous le titre « Des mots ». Mais ce qui est intéressant dans ce texte d'Aragon, Le mentir vrai, et c'est pourquoi je commence par lui, outre le caractère programmatique de son titre, c'est que ce récit donc annonce aussi les questions les plus actuelles qui portent depuis une vingtaine ou une trentaine d'années maintenant sur les formes nouvelles de l'écriture autobiographique, ce qu'on appelle parfois aussi l'autofiction, à une époque qui doute de sa capacité à dire le vrai autrement que sous une forme fictive ou fictionnelle. De quoi s'agit-il donc dans Le mentir vrai, dans ce texte autobiographique ? Aragon livre les informations essentielles qui touchent à son enfance. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est extrêmement compliqué, voire emberlificoté. Donc en quelques mots, je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisque si ça vous intéresse, vous trouverez toutes les informations dans la biographie. Aragon est un enfant illégitime, un enfant adultérin, donc né en 1897, des œuvres, comme on dit, donc d'une jeune femme nommée Marguerite Toucas, célibataire, qui est donc devenue, dans des circonstances que personne ne connaît plus, la maîtresse d'un monsieur nommé Louis Andrieux, qui est à l'époque un personnage tout à fait important et prestigieux, un homme politique de premier plan, qui a été ambassadeur de France en Espagne, qui a été à plusieurs reprises député, qui a été également préfet de police de Paris et qui a marqué véritablement l'histoire de la police parisienne, presque au même titre que son grand ami Georges Clemenceau. Il faut savoir qu'à l'époque, la loi n'autorise pas la reconnaissance des enfants adultérins, et c'est donc sous un nom inventé que le petit garçon qui naît de cette liaison adultérine
C'est donc sous un nom inventé que ce petit garçon est baptisé d'abord et ensuite déclaré bien des années plus tard à l'état civil. Il va passer pour le fils adoptif de celle qui est en réalité sa grand-mère biologique et donc pour le frère adoptif de celle qui est en réalité sa mère et pour le filleul de celui qui est en vérité son père biologique. La société française de l'époque connaît des cas similaires. L'histoire nous en donne quelques exemples. Mais le plus étonnant est sans doute que Aragon, si l'on en croit en tout cas, si on l'en croit en tout cas, Aragon aurait vécu lui-même dans ce mensonge jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est seulement, dit-il, lorsqu'il a eu 20 ans et était sur le point de partir pour le front, en juin 1918, que sa mère, sur ordre de son père, lui a révélé donc la naissance sur ses origines. Voilà ce que raconte Aragon de ce mensonge originel, donc dans cette nouvelle qui s'intitule « Le mentir vrai » et qu'il signe à l'âge de 67 ans. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, et c'est pourquoi je vous en recommande la lecture si vous l'ignorez, c'est que cet aveu, cette confidence, on pourrait presque dire cette confession, prend chez Aragon, qui est un grand écrivain et un écrivain tout à fait averti des ressources de la littérature, cet aveu, cette confidence, cette confession, donc, prend la forme d'une fiction qui se déconstruit à mesure qu'elle se construit elle-même. On entend alternativement dans le récit deux voix qui sont la voix de l'enfant et la voix de l'adulte, chacune proposant de cette histoire une version différente. Versions donc qui se complètent mais qui se contredisent également et qui montrent surtout à quel point notre propre passé est pour chacun de nous la chose peut-être la plus mystérieuse qui soit. Le texte se corrige perpétuellement lui-même, une voix en conteste une autre, comme ça sera le cas d'ailleurs dans le dernier roman d'Aragon intitulé Théâtre roman qui paraîtra en 1974, de manière que se développe dans cette œuvre très brève, ça fait une trentaine de pages à peu près, une réflexion, disons, méta-littéraire sur l'identité, sur la fragile frontière qui sépare le souvenir de l'imagination et la fiction de la vérité. C'est Freud, dans un texte très important qui s'intitule « Un souvenir d'enfance » de Léonard de Vinci, qui nous a appris qu'il n'y a pas en vérité de souvenir d'enfance parce que tous les souvenirs d'enfance sont le fait des adultes qui, croyant se rappeler celui qu'ils ont été, imaginent quelqu'un qui peut-être n'a jamais eu d'autre consistance que dans la fiction qu'il fabrique. Ben, c'est ce point-là, cette question-là que Aragon travaille dans son œuvre littéraire en vue donc d'un récit qui s'assume comme le récit d'une enfance, mais d'une enfance qui ne peut se raconter que sur le mode de l'illusion rétrospective, une illusion pourtant qui ne cesse de se contredire et de se corriger elle-même. L'enfance fait défaut, l'enfance manque, l'origine est toujours manquante, et c'est ce manque-là, ce défaut essentiel qu'Aragon dit dans ce texte tardif, mais qui permet de comprendre beaucoup de choses sur la littérature telle qu'il l'a conçue, sur la nécessité qui fut pour lui liée au recours à la fable, qu'il s'agisse d'une fable enfantine ou qu'il s'agisse des fictions de l'âge adulte. C'est donc ces choses-là qu'il est important, me semble-t-il, de garder à l'esprit si on veut comprendre un petit peu ce qu'il en est de ce rapport particulièrement conflictuel et complexe au mensonge et à la vérité qui est à l'œuvre chez Aragon. Mais en général, quand on cite cette formule d'Aragon, le mentir vrai, on fait toujours porter l'accent sur le premier des deux termes qui la composent, mentir. Et c'est vrai que Aragon a vécu, a grandi, est né dans le mensonge et n'a cessé d'être accompagné par le mensonge qu'il a créé lui-même. Mais en même temps, il a toujours insisté sur le fait que ce mensonge n'était qu'un des moyens mis au service d'une ambition différente, qui est une ambition du vrai ou pour le vrai, pour le réel. Et c'est ce qui fait aussi la valeur de son œuvre telle que je vais essayer donc de l'évoquer dans les minutes qui viennent. Alors commençons par la poésie. Il y a un mot cruel de Gide,
quand on lui demandait qui était le plus grand poète français, il répondait Victor Hugo, hélas. Lorsqu'Aragon et Gide, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la relation entre Gide et Aragon, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un petit peu. Lorsqu'Aragon est mort, donc il y a un peu plus de 30 ans maintenant, le journal Libération a repris cette formule de Gide sur Hugo pour l'appliquer à Aragon, en présentant Aragon comme le plus grand poète français du XXe siècle, hélas. Alors, comment expliquer ce trait d'humour ? L'œuvre d'Aragon est certainement une des œuvres les plus populaires de la poésie française du XXe siècle. Vous savez ce qu'il en est de l'état de la poésie française et du peu d'écho qu'elle trouve aujourd'hui parmi les lecteurs. Aragon fait exception. Avec un autre grand poète, à mon sens, dont il fut proche, ils étaient même amis d'enfance. Ils se sont connus alors qu'ils avaient 3 ou 4 ans, parce qu'ils habitaient à l'époque des maisons voisines à Neuilly. L'autre grand poète français auquel je fais allusion, c'est Jacques Prévert. Avec Prévert, après Prévert, Aragon est sans doute le poète français le plus populaire du XXe siècle, et peut-être un peu pour les mêmes raisons, à savoir que Prévert et Aragon ont dû une large partie de leur notoriété au fait que leurs vers ont été portés vers le public par la chanson. Enfin, à moins que vous souhaitiez qu'on en parle à l'occasion des questions qui auront lieu tout à l'heure, hein, je n'ai pas vraiment l'intention de m'apesantir sur ce point, mais enfin, vous savez que à partir du début des années 60, essentiellement, Aragon a vu ses vers mis en musique par deux grands chanteurs, compositeurs, interprètes français, qui sont Léo Ferré et Jean Ferrat, et que ça a constitué une caisse de résonance absolument inouïe pour son œuvre poétique. Je cite dans ma biographie un chiffre que j'ai retrouvé sans pouvoir le vérifier, mais qui est assez hallucinant. S'il est vrai, sans doute l'est-il, hein, l'album Ferrat chante Aragon, qui regroupe les premières chansons donc, de Ferrat sur des textes d'Aragon, et qui est sorti au tout début des années 70, aurait, paraît-il, été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Lorsque j'ai demandé aux éditions Gallimard les comptes d'Aragon pour me faire une idée des ventes de ces livres, toute édition confondue, l'œuvre d'Aragon s'est vendue, telle qu'elle est publiée chez Gallimard pour l'essentiel, à 2,5 millions d'exemplaires. Ce qui signifie qu'il y a pratiquement eu autant de gens à acheter l'album Ferrat chante Aragon que de gens à avoir acheté un livre d'Aragon. Autrement dit, Aragon a été davantage entendu, écouté que lu. Et cela explique donc cette formidable popularité que j'évoquais pour commencer. Mais cette œuvre extraordinairement populaire, donc cette œuvre poétique extraordinairement populaire, chacun d'entre nous connaît par cœur des dizaines et des dizaines de vers d'Aragon parce qu'il les a entendus chanter par Ferrat ou par Ferré. Cette œuvre donc extraordinairement populaire est aussi une des œuvres les moins reconnues, me semble-t-il. Pourquoi ? Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans les minutes qui viennent. Eh bien, parce qu'elle s'est très largement constituée à rebours de ce qu'est devenue la poésie française, à tel point qu'elle apparaît à nombre de lecteurs, à nombre de poètes, comme une sorte d'aérolithe dans le paysage poétique d'aujourd'hui. Cette œuvre poétique, il faut ajouter, toujours en guise d'introduction et de préambule, cette œuvre poétique, il faut ajouter qu'elle a ceci de particulier, qu'elle est extraordinairement diverse et multiple comme la poésie du siècle passé. Aragon d'ailleurs le reconnaissait lui-même. Aragon a été le plus féroce de ses propres détracteurs. Il avait bien conscience des forces mais aussi des faiblesses de son œuvre littéraire, romanesque ou poétique. Et dans l'un des textes qu'il a signé à la fin de la vie, à la fin de sa vie, de façon à présenter donc au lecteur ses œuvres, son œuvre poétique complète, comme il aimait à le dire, Aragon déclarait que dans cette œuvre, il y avait à boire et à ne pas manger. Voilà.
extraordinairement diverses et multiples, hein, et contradictoires, dans la mesure où la plupart des styles poétiques qui ont fait la littérature française du XXe siècle, Aragon les a expérimentés tour à tour, les portant parfois au paroxysme de leur puissance et parfois en faisant apparaître les faiblesses ou les carences tout à fait frappantes. Donc c'est tout cela que j'aimerais essayer de vous donner, autant que faire se peut, une idée aujourd'hui. Alors comment s'y retrouver ? Il y a un mot, me semble-t-il, qu'on peut mettre en avant et garder à l'esprit. Un mot, disons, pour comprendre ou pour ne pas comprendre Aragon poète. Ce mot, c'est celui de palinodie. Alors, dans le volume que j'évoquais tout à l'heure, Vertige d'Aragon, j'ai consacré tout un texte justement à la poésie d'Aragon, en essayant de comprendre ou de ne pas comprendre cette poésie à la lumière de ce terme grec, auquel s'attache toute une légende, toute une mythologie, et qui surtout étymologiquement signifie chanter à nouveau, un chant à nouveau, palinodie. Parce que je crois que si l'œuvre d'Aragon, l'œuvre poétique d'Aragon est si énorme, si peu reconnue, si diverse et si multiple, c'est parce qu'Aragon n'a cessé de changer encore de manière à pouvoir chanter à nouveau. Cette faculté à chanter à nouveau, que désigne étymologiquement le terme de palinodie, elle l'obligea à changer constamment son chant pour mieux rester fidèle peut-être à ce qui en faisait l'esprit essentiel. Alors bien sûr, je n'oublie pas que le mot de palinodie, dans le langage courant, désigne autre chose désormais, hein. Autrement dit, les brusques revirements d'opinion d'un homme girouette susceptible de retourner constamment sa veste et d'épouser un parti et puis l'autre. Ce qu'on a reproché, bien sûr, à tort et à raison, à Aragon. Mais il me semble que les palinodies politiques d'Aragon sont d'abord des palinodies poétiques. Ces changements d'opinion ont essentiellement leur ressort du côté de ce désir de chanter encore et encore qui fut le sien, de manière à ne pas laisser se perdre ce qui était donc l'objet de son chant. Alors ce sont ces changements très nombreux, et que je vais évoquer aussi clairement que possible à partir de maintenant, ce sont ces changements très nombreux qui expliquent la série d'avatars à quoi correspond la figure d'Aragon lorsqu'on l'appréhende, donc selon ces métamorphoses successives. Mais il me semble malgré tout qu'il existe à tous les Aragons, poètes, en dépit des palinodies que je viens d'évoquer, il existe à tous les Aragons poètes un dénominateur commun que je voudrais dire en deux mots et qui me semble être le suivant. Aragon, toute sa vie, en tant que poète, c'est de cela que je parle aujourd'hui, a eu un adversaire et un adversaire essentiel. Ce qu'il appelait, ce qu'on a appelé avant lui, ce qu'on appelle peu aujourd'hui, l'expression s'est un peu perdue, la poésie pure. L'expression avait été popularisée par un certain abbé Brémond, proche des poètes des années 20 et 30. Ce que Aragon vise lorsqu'il parle contre la poésie pure, c'est une poésie qui n'aurait d'autre objet qu'elle-même. Pour employer un terme un peu pédant, mais qui dit bien des choses concernant l'art et la littérature moderne, une poésie autotélique, là encore, du grec telos, qui veut dire but, une poésie qui aurait en elle-même son propre but, en elle-même sa propre visée. Poésie qui s'impose dans le champ littéraire français à l'époque du symbolisme, et essentiellement avec ce grand poète que fut Stéphane Mallarmé, et plus encore peut-être grâce aux disciples immédiats de Mallarmé, et notamment l'un d'entre eux, qui fut l'une des bêtes noires d'Aragon toute sa vie, et qui s'appelle Paul Valéry. C'est contre cette poésie-là qu'Aragon parle, en allant chercher ses modèles ailleurs, du côté de Victor Hugo, du côté
du poète russe dont il fut proche, Vladimir Maïakovski, ou plus étrangement, mais de façon tout à fait pertinente et percutante également, du côté de ces autres symbolistes, en tout cas on les dit-elle, que furent, par exemple, Rimbaud et Lautréamont. En simplifiant, bien sûr, outrageusement, mais ça me semble malgré tout juste de dire les choses en ces termes, il y a un grand schisme qui décide du devenir de la poésie française depuis la fin du XIXe siècle, et qui fait que les poètes se réclament en général soit de Mallarmé, soit de Hugo. Soit de Mallarmé, c'est-à-dire justement d'une poésie autotélique et essentiellement tournée vers elle-même, essentiellement vouée à l'exploration de la parole poétique, de sa genèse, de son mystère, de sa signification. Puis vous avez une autre tradition alternative qui, elle, remonte à Victor Hugo et qui conçoit la poésie comme une parole qui, bien sûr, ne se désintéresse pas d'elle-même, mais qui vise à autre chose qu'elle-même. Le monde, le réel, la vie. Et Aragon est indiscutablement du côté de Hugo plutôt que du côté de Mallarmé. Il s'oppose à ce qui est devenu le visage dominant du goût poétique en France, post-mallarméen, pour remonter en amont du geste symboliste et renouer avec la perspective donc d'une poésie qui vise au réel et qui prétendent dire ce réel. Il y a un texte d'ailleurs, un poème d'Aragon qui est tout à fait emblématique de tout ça, qui s'intitule « Contre la poésie pure », qui a été signé par Aragon pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui met en scène, sous forme de prosopopée, comme on dit, Victor Hugo lui-même, ou plus exactement la statue de Victor Hugo, qui avait été enlevée de Paris par les nazis, une statue de Victor Hugo qui revient pour interpeller justement les poètes et pour leur faire honte de la manière dont leur poésie se détourne du monde, se détourne de l'actualité, pour s'enchanter de façon sophistiquée de ses propres charmes, alors que l'urgence est de dire le vrai et de montrer le réel. Contre la poésie pure, donc, se réclamant de Hugo, de Maïakovski, de Rimbaud, de Lautréamont et de quelques autres, Aragon essaye de construire l'œuvre littéraire dont la visée est le vrai, dont l'exigence est le réel, malgré le mensonge, ou plutôt à partir du mensonge, comme j'ai essayé de l'indiquer tout à l'heure. Alors il y a ce dénominateur commun, il y a donc contre la poésie pure cette exigence du vrai, cette exigence du réel, mais tout cela va prendre des formes extrêmement différentes au long du parcours d'Aragon, qui a commencé à écrire de la poésie alors qu'il était adolescent et qui a signé ses tout derniers textes poétiques quelques semaines ou quelques mois avant sa mort. Donc il y a vraiment là, et c'est encore une des raisons pour lesquelles le parallèle avec Hugo se justifie, un écrivain dont la prolixité mais aussi dont la longévité fait qu'il a habité son siècle et parcouru son siècle dans sa diversité. Tout commence pendant la Première Guerre mondiale, du côté de ce qu'on appelle à l'époque la poésie cubiste. Aragon, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la biographie, mais je vous parlerai un peu, peut-être dès à présent, en tout cas la semaine prochaine, de ce que fut la guerre d'Aragon, la première guerre d'Aragon, la grande guerre d'Aragon. Aragon, donc, dans les semaines qui précèdent son départ pour le front, fait la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle André Breton. Ils font connaissance à Paris, parce qu'ils sont tous les deux en train de se préparer à la perspective de servir comme médecin auxiliaire dans l'armée française. Ils font précisément connaissance au Val-de-Grâce, raconte Aragon. Et Breton va présenter à Aragon un certain nombre de grands poètes avec lesquels il est déjà, lui, Breton, en relation, et qu'Aragon ne connaît qu'à travers les textes qu'ils ont signés,
le principal de ces poètes, qui est à l'époque le phare poétique essentiel, en tout cas du côté de la littérature expérimentale et d'avant-garde, c'est Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire qui, comme vous le savez, mourra quelque temps plus tard, puisqu'il décédera au lendemain de l'armistice du 11 novembre 1918. Apollinaire est celui qui a introduit dans la poésie française, avec Alcool, avec Zone, avec les calligrammes, une forme nouvelle de modernité en laquelle ces jeunes poètes, ils ont 18 ans, 20 ans, se reconnaissent et qu'ils prétendent reprendre à leur compte pour lui permettre de s'exprimer sous un jour nouveau. Et la grande idée, je suis désolé, je suis obligé d'aller vite parce qu'il me reste déjà peu de temps pour évoquer une œuvre qui est elle-même très longue, mais pour vous donner quand même une idée des débuts d'Aragon Poète, la grande idée, c'est celle qui consiste, comme l'avait voulu Apollinaire, à penser la poésie au miroir de la peinture et au miroir de la peinture moderne. Vous savez qu'Apollinaire a été l'un des premiers commentateurs de Picasso, de Braque et de ce qu'on a appelé, donc, à partir de lui et avec lui, le cubisme. À tel point qu'il y a un mot célèbre d'Apollinaire qui a véritablement valeur programmatique. Apollinaire, reprenant un mot du Corrège, déclare donc devant les tableaux de Picasso, de Braque, etc. Et moi aussi, je suis peintre. Ce qui va le conduire à expérimenter avec les calligrammes une forme de poésie qui prétend accomplir sur la page ce que le cubisme de Picasso et de Braque avait accompli sur la toile. Il y a Apollinaire, donc, mais il y a aussi d'autres poètes moins connus, mais qui ont été essentiels à l'époque, comme Reverdy, comme Max Jacob. Qu'à tort ou à raison, on associe donc à ce mouvement presque introuvable que les historiens de la littérature baptisent donc quelquefois le cubisme poétique. Une poésie qui procède notamment, je m'en tiendrai à ce seul trait caractéristique, par collage. Vous savez l'importance du collage dans l'œuvre de Picasso, notamment. Peindre non plus comme on peignait autrefois, mais peindre en assemblant des éléments déjà constitués du réel au sein de la toile. C'est quelque chose de cet ordre qu'expérimentent Breton, Choupeau, Aragon également, et qui contribue donc à l'idée qu'il serait en quelque sorte comme la relève ou le second souffle d'un cubisme poétique assez hypothétique, dont le chef de file, ou en tout cas l'inventeur, aurait été Guillaume Apollinaire. Je vous donne peut-être un exemple des premiers poèmes d'Aragon. C'est peut-être l'un des moins hermétiques. Il s'intitule « Vie de Jean-Baptiste A ». Alors A pour Aragon, sans doute Jean-Baptiste, parce que la famille d'Aragon, la famille maternelle d'Aragon, revendiquait, à juste titre d'ailleurs, comme lointain ancêtre, le frère d'un certain Jean-Baptiste Massillon, qui est aujourd'hui un peu tombé dans l'oubli, mais qui a été un des grands écrivains, un des grands orateurs religieux du début du XVIIIe siècle. Et donc ce prénom de Jean-Baptiste, Aragon se le réapproprie pour marquer en quelque sorte le lien de filiation hypothétique qui existerait entre lui donc, et ce glorieux écrivain ancêtre. C'est un poème qui a été écrit donc, dans les semaines qui précèdent le départ d'Aragon pour le front et qui montre bien comment l'expression de l'aveu autobiographique est prise en charge par une poésie qui cherche à mettre à distance pour le moment le réel, à le chiffrer, à le déconstruire et à le recomposer un peu donc dans l'esprit de ce qu'est en train de faire à la même époque la peinture cubiste. Donc je vais essayer de vous lire quelques poèmes au cours de ces trois rencontres pour illustrer en quelque sorte mon propos. Une ombre au milieu du soleil d'or, Jean Bar, dans l'avenue au Catalpa, mais patience, en ce temps-là je n'étais pas né, le train repart, Rosa la rose et ce coup d'encre, ô mon enfance, calculer cosinus alpha en fonction de tangente alpha sur 2, ma jeunesse apéro qu'à peine ont aperçu, les glaces d'un café lasse de tant de mouches, jeunesse et je n'ai pas baisé toutes les bouches, le premier arrivé au fond du corridor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mort, une ombre au milieu du soleil d'or, c'est l'œil. Donc poème complexe,
poème quasi hermétique, mais dans lequel on identifie, on repère malgré tout un certain nombre de traits autobiographiques qui prennent leur sens, bien sûr, de la situation tout à fait particulière qui est celle du jeune Aragon en 1918. Jeune homme, voyant venir à lui la perspective d'une mort prochaine liée à son départ pour le front, et qui évoque son enfance déjà disparue, son enfance perdue, en procédant à un collage de termes qui, bien sûr, ne prennent sens que de l'ensemble à l'intérieur duquel il s'insère, référence aux mathématiques ou aux déclinaisons latines, qui viennent donc s'agglomérer en quelque sorte dans ce texte qui, me semble-t-il, avec quelques autres, est typique de ce cubisme poétique par lequel Aragon commence. Et puis il y a quelque chose qui va se passer, bien sûr, et qui est tout à fait décisif dans la vie d'Aragon, mais également dans l'histoire de la littérature française et même de la littérature mondiale. Ce quelque chose qui va se passer à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est l'avènement donc du dadaïsme puis du surréalisme. Aragon, je vais très vite, hein, mais j'essaye de mettre en évidence les moments et les repères essentiels. Aragon fait partie, il est encore mobilisé, il est encore sous les drapeaux. Aragon fait partie des quelques rares lecteurs sous les yeux desquels tombe un petit texte signé d'un certain Tristan Tzara, poète d'origine roumaine, mais d'expression française, installé en Suisse. Ce petit texte s'intitule « Le manifeste d'Ada 1918 » et c'est en quelque sorte l'acte de naissance du mouvement auquel ce manifeste va donner son nom, même si, en vérité, ça fait déjà 2 ans que des choses sont en train de se passer, notamment en Suisse et du côté de Zurich. Toujours est-il que Aragon est absolument bouleversé par la lecture qu'il fait de ce texte, texte dans lequel, avec une grande jubilation, mais aussi une grande rage nihiliste, Tzara prend acte finalement de l'écroulement de toutes les valeurs politiques, religieuses, morales, philosophiques, littéraires, sur lesquelles la civilisation européenne avait reposé depuis des siècles, valeurs donc qui se sont toutes écroulées à la faveur, si j'ose dire, du grand carnage qui est en train de se terminer en Europe. Il y a une sorte de nihilisme joyeux qui est la marque de fabrique, si on peut dire, du dadaïsme naissant et que le jeune Tristan Tzara porte à son paroxysme, exerçant donc tout de suite une puissance de fascination très forte, très grande sur Aragon, sur Breton et sur les autres, à tel point que Tzara va décider de quitter la Suisse pour s'installer à Paris en janvier 1920 et va porter en quelque sorte à Paris quelle métaphore utiliser, l'épidémie, mais l'épidémie salutaire, l'épidémie joyeuse du dadaïsme qui avait mûri donc, en Suisse pendant la Première Guerre mondiale. Alors ce moment est très important parce qu'il va contribuer à radicaliser Aragon et ses amis. On peut dire que Aragon, Breton, Soupault et les autres étaient, comme c'est souvent le cas lorsque l'on a 20 ans, disons, des jeunes gens qui aspiraient à réussir dans le monde des lettres, qui étaient avides d'une reconnaissance qu'ils pourraient obtenir de leurs aînés et qui leur permettrait d'intégrer les grandes maisons d'édition, les revues prestigieuses. Il y a quelque chose de l'ordre de cette stratégie-là qui est à l'œuvre chez Breton, chez Aragon, chez Soupault, qui rencontre Apollinaire, qui rencontre Gide, qui rencontre Valérie, qui les courtise avec bien sûr l'intention d'obtenir en retour une reconnaissance qui leur permettra donc de s'imposer dans le monde des lettres. Mais tout à coup, l'événement d'Ada a lieu et en quelque sorte, il dégoûte Aragon, Breton et les autres de leur projet de réussite. Il leur en montre la vanité, la médiocrité, la mesquinerie. Il va y avoir, à partir de là, un véritable mouvement de radicalisation et de fuite en avant qui va se refléter notamment dans l'œuvre poétique de quelqu'un comme Aragon. Je vous en donne quelques exemples hein, de ces poèmes iconoclastes que signe Aragon. Il y en a un qui s'intitule « Persienne » et c'est un poème qui n'est fait que du mot « persienne » répété 26 fois. Il y en a un autre qui s'intitule « Suicide » et qui n'est rien d'autre que l'alphabet, ABCD, etc., signé par Louis Aragon. Voilà.
On est du côté de quelque chose qui importe dans le champ de la parole poétique un procédé qui n'est pas très différent de celui qu'a inventé Marcel Duchamp lorsqu'il a inventé avec son fameux urinoir fontaine ce qu'on appelle désormais le ready-made. Bon, il y aurait beaucoup d'autres exemples à donner de cette manière que le dadaïsme poétique a de prendre la poésie et de la retourner contre elle-même de manière à transformer chaque texte en un espace où c'est tout le procès de la littérature qui se joue à nouveau. Une littérature qui se fait avec de la littérature, mais surtout contre la littérature, pour entraîner en quelque sorte les mots dans une sorte de honte, de défiguration, qui permettra que se manifeste la seule violence salutaire qui est accordée en quelque sorte à la grande crise de civilisation que l'Europe est alors en train de connaître. Voilà le Aragon dadaïste. Le surréalisme n'est pas loin. Il naîtra officiellement en 1924, lorsque Breton publie donc ce qu'on appelle le Manifeste du surréalisme, texte qui est accompagné d'un autre, qui est plus méconnu, mais qui n'est pas moins important. Il s'agit d'un petit texte signé par Louis Aragon, qui s'appelle « Une vague de rêve », qui en fait précède le Manifeste du surréalisme d'André Breton de quelques semaines, et qui est un peu la première tentative de théorisation philosophique et poétique du mouvement donc, dont Breton deviendra par la suite le chef de file. Vous savez que le surréalisme, pour Breton, c'est essentiellement l'écriture automatique, qu'il a découverte en 1919 avec son ami Soupeau en se lançant dans l'aventure de ce livre donc, qu'on appelle les champs magnétiques. Aragon a raconté comment, en septembre 1919, eh bien, juste d'être démobilisé, il faut savoir qu'Aragon est resté sous les drapeaux un an après la victoire, hein, ce qui l'a conduit à être envoyé en garnison en Allemagne. Vous connaissez certainement ce très beau poème d'Aragon qui a été mis en musique par Léo Ferré, puis chanté par beaucoup d'autres, dont notamment Bernard Lavilliers, hein, et qu'on connaît donc sous le titre du vers qui est devenu le refrain de cette chanson, « Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus ?» Ce poème évoque les longs mois qu'Aragon a passé en Alsace et en Allemagne en attendant de façon très anxieuse et très impatiente donc le moment où enfin il pourrait être rendu à la vie civile. Et lorsqu'Aragon donc revient à Paris à la fin de l'année 1919, il retrouve Breton qui lui confie donc cette formidable découverte de l'écriture automatique qui va, pense-t-il, révolutionner toute la littérature et qui, en tout cas, deviendra la base sur laquelle sera construite la théorie poétique du surréalisme. Aragon a très peu pratiqué l'écriture automatique et c'est pourquoi, me semble-t-il, ses grands textes surréalistes sont moins des textes en vers que des textes en prose. Le chef-d'œuvre absolu d'Aragon et le chef-d'œuvre absolu de la littérature surréaliste, c'est un roman. À mon sens, en tout cas, il s'agit du Paysan de Paris qu'Aragon écrira entre 1924 et 1926. Poésie cubiste, donc, puis la radicalisation du dadaïsme et du surréalisme. Nous ne sommes pas encore au bout de cette série de métamorphoses qui définissent les visages successifs d'Aragon poète. J'en parlerai plus longuement la semaine prochaine, mais il y a quelque chose de tout à fait capital qui se passe pour Aragon à la fin des années 20 et au début des années 30, c'est donc son adhésion au Parti communiste français, 1927. Une adhésion qui va rester sans effet, véritable, jusqu'à ce qu'Aragon, et ça j'en parlerai dans 15 jours, suite à sa rencontre avec Maïakovski et avec Elsa Triolet, parte pour l'Union soviétique, où il va, en quelque sorte, être adoubé par le mouvement communiste international, ce qui lui permettra donc de revenir en France et d'obtenir la place qu'on lui refusait jusque-là au sein du Parti communiste français. Bon, laissons de côté les questions strictement politiques pour l'instant, mais ce qui est important, c'est que cette conversion d'Aragon au communisme, fin des années 20, début des années 30, elle va avoir aussi un effet sur sa poétique, sur sa poésie. Aux poètes cubistes, aux dadaïstes et aux surréalistes succède donc dans les années 30 un poète nouveau qui semble n'avoir plus rien de commun avec les précédents,
qui est un poète pour lequel la poésie est essentiellement un instrument d'agitation et de propagande. Il y a un texte du tout début des années 30 qui, à cet égard, est emblématique et dont j'avais parlé d'ailleurs avec vous ici, je crois que c'était l'année dernière. C'est ce poème qui s'intitule « Front rouge » et dans lequel Aragon invite le prolétariat à faire feu sur, je cite, « les flics », mais également sur les ours savants de la social-démocratie, et notamment sur leur chef à tous, à savoir le futur président du Conseil du Front populaire, Léon Blum. Il faut se rappeler donc qu'à l'époque, on est en 1930, à l'époque, Staline impose au Parti communiste une politique qui fait pour les communistes, donc des socialistes, les adversaires principaux, les adversaires essentiels, des social-traîtres, comme on disait, des traîtres à la cause de la révolution, avec lesquels aucun accord, aucune alliance n'est envisageable. Il faudra l'accès au pouvoir d'Hitler en Allemagne, puis la prise de conscience des politiques, et enfin les directives claires données par Staline en ce sens, pour que les communistes acceptent donc de faire alliance avec les socialistes, ce qui permettra donc en France, en 1936, la victoire du Front populaire. Mais au début des années 30, donc, les socialistes sont les adversaires des communistes, ou plutôt ce sont les communistes qui sont les adversaires des socialistes. Et donc Aragon signe ce poème « Front rouge », dans lequel il appelle le prolétariat à l'insurrection armée, et donc à la prise du pouvoir par les armes, à la prise du pouvoir par la violence. Et en des termes tels, d'ailleurs, qu'Aragon sera traîné devant les tribunaux, condamné, et il faudra un changement de gouvernement pour que les poursuites engagées contre lui n'aient pas les effets qu'elles auraient dû avoir en principe. Voilà le troisième visage poétique d'Aragon. Un poète donc qui place la poésie sous le signe revendiqué de la propagande, propagande révolutionnaire et propagande pro-soviétique. En 1934, paraît un recueil intitulé « Hourra l'Oural », dans lequel Aragon met en vers les souvenirs de son récent voyage avec Elsa Triolet à travers l'Union soviétique et plus particulièrement à travers la région de l'Oural, qui est à l'époque le lieu dans lequel la politique productiviste de Staline est censée faire des merveilles. On construit des barrages, on développe l'industrie lourde et la sidérurgie de manière donc à doter la patrie du socialisme des infrastructures qui lui faisaient défaut et qui sont censées donc lui permettre de dépasser le capitalisme sur la voie du développement économique. Donc tout ça, Aragon le chante dans Hourra l'Oural, il chante la gloire de Staline, il chante la gloire du peuple soviétique, il chante le formidable développement économique qu'il croit avoir sous les yeux, et n'hésite pas non plus à stigmatiser les ennemis de classe dont la propagande stalinienne ne cesse de répéter qu'ils sont en train devrait à saboter l'effort formidable déployé donc par le peuple russe. La part de la poésie dans l'œuvre d'Aragon, néanmoins, à la fin des années 30, va devenir de plus en plus réduite, comme si Aragon lui-même, et d'ailleurs il l'a dit, ne croyait guère finalement en ce qu'il était en train de faire, au moins sur le terrain de la poésie. À la fin des années 30, Aragon continue à faire œuvre de poète un petit peu, il continue à signer des gros romans importants, comme par exemple Les Beaux Quartiers, Les Voyageurs de l'Impérial, même si à mon avis c'est la partie la plus faible de son œuvre littéraire et romanesque, mais ce sont surtout les activités de journalistes, de militants, d'animateurs qui prennent le pas sur l'œuvre littéraire elle-même. Et notamment, donc, l'œuvre poétique se trouve en quelque sorte progressivement délaissée. Il faudra un autre événement pour que Aragon se mette à chanter à nouveau une nouvelle palinodie et qui va véritablement permettre à Aragon d'acquérir la dimension légendaire qui est devenue la sienne dans l'histoire de la poésie française contemporaine. Alors bien sûr, cet événement nouveau auquel je fais allusion ici, c'est la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, hein, et le fait que Aragon va
revenir à la poésie pour dire avec la poésie et autant que la poésie puisse le faire, la nécessité pour les Français de ne pas renoncer au combat, la nécessité de reprendre les armes, la nécessité de s'engager donc dans la résistance contre l'occupant nazi et ceux qui collaborent avec lui. Alors là aussi, je suis obligé d'être très rapide, donc je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais il faut malgré tout que je m'arrête quelques minutes sur ce moment qui est si important à la fois poétiquement et historiquement. Aragon est mobilisé à nouveau en 1940. Là aussi, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler la semaine prochaine, mais il fait partie de cette génération où les hommes ont combattu deux fois. Il y a d'ailleurs un très beau poème de lui qui s'appelle « La valse des 20 ans » où il évoque ce fait. Il a été mobilisé en 1918 à 20 ans et il a fait la Première Guerre mondiale. Il était assez âgé pour pouvoir être envoyé combattre et il a été mobilisé une deuxième fois en 1940 et il a été un héros des deux guerres. Il a reçu pour chacune des deux guerres qu'il a faites la médaille militaire, la croix de guerre, je ne sais plus. Et donc Aragon est mobilisé en 1939, il vit la débâcle de mai-juin 1940 dans des conditions qui sont quand même assez étonnantes. Hein. Il est médecin auxiliaire dans une unité blindée de l'armée française qui s'engage avec les premières forces allemandes du côté de la Belgique. Puis, donc, dans le cadre de la déroute que connaît l'armée française, hein, Aragon se replie avec les hommes de sa division vers Dunkerque et il est évacué de Dunkerque par la marine britannique, exactement dans les circonstances que raconte Robert Merle dans « Weekend at Zwickaut », que vous connaissez sans doute, ne serait-ce qu'à travers le film d'Henri Verneuil qui en a été tiré. Donc Aragon traverse la Manche à bord d'un navire britannique, sous la menace constante, bien sûr, de la Luftwaffe qui est en train de tirer sur l'armée française et sur la marine britannique. Et à peine arrivé en Angleterre, il reprend un autre bateau avec son unité pour faire la traversée dans l'autre sens. Il débarque du côté de Brest, il prend le train, il se retrouve à côté de Rouen, il reprend les combats avec son unité, il recule, on ne peut pas dire que ce soit autre chose qu'un recul, parce que ce n'est pas une retraite en désordre, c'est une retraite au cours de laquelle l'armée française ne cesse de combattre, et qui amène donc l'unité d'Aragon, pas très loin d'ici, hein, du côté des ponts de C. Il y a un très beau poème d'Aragon qui s'intitule C. Les ponts de C, c'est là que tout a commencé. Et donc Aragon est au nombre des combattants qui essayent d'empêcher la traversée de la Loire par les unités allemandes. Et puis, donc, comme vous le savez, tout s'écroule. Et Aragon se retrouve dans le sud-ouest de la France, du côté de Ribérac, où enfin il est démobilisé. Après, donc, une guerre tout à fait spectaculaire et héroïque qui lui vaudra, donc, comme je vous l'ai dit, pour la deuxième fois, les honneurs de l'armée française. Mais que faire à partir de ce moment-là? D'autant plus que la situation est très compliquée puisque le Parti communiste français est interdit. Aragon est particulièrement visé dans la mesure où il a été l'un des avocats du pacte germano-soviétique dans le quotidien communiste Ce Soir. À l'époque, il y a deux grands quotidiens communistes, l'Humanité Ce Soir, Aragon dirige Ce Soir. Donc Aragon, dans cette tribune très importante, hein, ça tire à plus d'un million d'exemplaires, Aragon, dans Ce Soir, fait l'éloge du pacte germano-soviétique, à tel point que les journalistes maurrassiens de l'Action française demandent qu'il soit arrêté et exécuté, hein, fusillé comme traître à la France. Enfin bon, donc Aragon est particulièrement exposé, particulièrement visé, et il va décider, donc, dans ce contexte de la défaite, à peu près seul, parce qu'il n'est plus en lien avec le Parti communiste français, dans la mesure où ce parti a été dissous et ne survit plus que dans une certaine forme de clandestinité, Aragon donc va décider de revenir à la poésie dans un ouvrage qui s'intitule « Le Crève-cœur » et qui va paraître aux éditions Gallimard grâce à Jean Paulhan en 1941, qui est en quelque sorte le premier livre de la résistance poétique française. Alors une résistance qui s'exprime à mots couverts, parce que bien sûr la censure existe. Il existe même en France à l'époque une double censure, une censure qui est exercée par les autorités françaises et une censure qui est exercée par les autorités allemandes. Donc il est évident que jamais les éditions Gallimard n'auraient pu faire paraître un recueil de poèmes qui invitait les lecteurs à prendre les armes contre l'occupant.
D'où cette esthétique dont Aragon se fait le théoricien à l'époque et qu'il va baptiser esthétique de la contrebande, qui consiste à produire des poèmes à double entente en quelque sorte et qui disent de manière cryptée ce désir de résister, cette nécessité de résister qui ne peut s'exprimer autrement que donc sous la forme codée qui est propre au langage poétique. Viendront d'autres recueils hein, qui, eux, seront publiés à l'étranger ou seront en Suisse, par exemple, ou seront publiés dans la clandestinité. Je donne quelques titres, Les yeux d'Elsa en 1942, Le musée Grévin en 1943, aux éditions de Minuit, à la Bibliothèque française, La Diane française en 1944. Bon. Cette poésie-là, elle est importante parce qu'elle vise à réintroduire. Je parle ici sur le terrain poétique plus que politique pour le moment. Cette poésie-là, elle vise à réintroduire tout ce qui s'était trouvé proscrit dans la poésie française des décennies précédentes. On réintroduit l'épique et Aragon place son entreprise sous le signe de Virgile. Vous vous rappelez le début de l'Énéide, hein, le premier vers de l'Énéide, « Je chante l'homme et les armes », etc. Voilà, cette veine épique qui est propre à la poésie antique et qui s'exprime donc dans l'Énéide, dans l'Iliade et dans bien d'autres textes de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou encore de la Renaissance, cette veine épique, on la trouve très peu souvent dans la poésie française, sinon chez quelques poètes qui, pour cette raison, font un peu figure d'exception, Agrippa d'Aubigné ou Victor Hugo. Donc pour Aragon, il s'agit de se réapproprier l'épique parce que l'époque l'exige. L'époque exige un chant qui soit un chant mobilisateur et qui montre aux hommes le combat qu'ils doivent lutter pour la liberté et pour la justice. Mais ce n'est pas simplement le fond du poème qui est concerné, c'est également sa forme. Aragon réintroduit dans la poésie française, réintroduit dans sa poésie, hein, bien sûr d'autres continuaient à pratiquer une poésie, disons, ancienne. Mais ce qui est important chez Aragon, c'est ce geste d'un poète moderne, authentiquement moderne, un poète expérimentateur, un poète d'avant-garde, pour revenir à un certain patrimoine poétique français, de manière à le réintroduire donc dans le présent et lui donner une valeur nouvelle et une valeur, on pourrait dire, renouvelée. Donc, par exemple, le retour à la rime. Il y a un très beau texte d'Aragon qui s'intitule « La rime en 1940 », dans lequel Aragon, en ayant conscience de l'énormité de son geste, dit « Il est temps aux poètes de refaire usage de cette rime qu'ils avaient cru à tort d'évaluer, parce que la rime est ce qui fait chanter la poésie, la rime est ce qui fait sonner le vers, et la rime est surtout, dit-il, ce qui fait sonner le sens. Or, nous avons besoin d'une poésie qui fasse sens et d'une poésie qui ne renonce pas à faire retentir le sens de manière à ce qu'il parvienne à l'oreille de tous les hommes. » Ça peut sembler pas grand-chose, mais en réalité, c'est un geste d'une audace absolument énorme, d'une audace presque inouïe, parce que toute la poésie française du XIXe et du XXe siècle s'est pensée en général plutôt comme une sorte de face-à-face avec l'indicible, avec le mystérieux, avec l'ineffable, avec l'hermétique. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure de la poésie pure, post-malarméenne ou valérienne. Eh bien, réhabiliter le sens et dire qu'il appartient au poème de faire sens et de faire sens pour le plus grand nombre possible de lecteurs, c'est vraiment un geste à la fois poétique et politique qu'Aragon pose donc au tout début de la guerre, en 1940, et dont les implications vont être énormes, bien entendu, pour la suite. Réintroduire la rime, réintroduire le sens, tout cela, Aragon l'explique donc dans une série de textes théoriques, manifestes, préfaces, qui vont accompagner donc les premiers poèmes qu'il signe en 1940 ou 41. Il y a la rime de 1940, il y a un autre texte important qui s'intitule « La leçon de Ribérac ». Aragon avait, au terme de son odyssée, au terme de la débâcle, Aragon avait trouvé refuge donc dans un petit village du sud-ouest qui s'appelle Ribérac, et avec les quelques hommes qui avaient survécu à la débandade au sein de son unité. Et il se trouve que ce village de Ribérac est aussi celui d'un poète, d'un troubadour, d'un poète médiéval qui s'intitule Arnaud Daniel,
qui a été un des grands poètes du Moyen-Âge français, et qui est connu aussi parce que Dante le fait apparaître dans sa Divine Comédie. Il y a un moment célèbre du Purgatoire dans lequel Dante rencontre l'âme d'Ardo Daniel au Purgatoire, et plus précisément, si ma mémoire est bonne, sur la corniche du Purgatoire où les luxurieux sont punis. Et Dante donc salue Ardo Daniel comme son maître, comme l'homme par lequel est devenu possible ce dolce stil nuovo, ce doux stil neuf que Dante et les poètes florentins ont inventé, mais qu'ils n'ont pu inventer que grâce à la révolution que quelques décennies plus tôt, donc les troubadours français avaient rendue possible. Et donc, si Aragon salue Arnaud Daniel dans cette leçon de Ribérac, c'est aussi parce qu'il dit qu'il appartient à la poésie française contemporaine de retrouver en quelque sorte l'inspiration dont la poésie médiévale était née. C'est-à-dire une poésie héroïque, une poésie de la courtoisie, une poésie de la civilisation, qu'Aragon oppose bien sûr à la barbarie nouvelle que les armées allemandes et l'idéologie nazie sont en train de faire déferler sur l'Europe. Et il y a là vraiment quelque chose de très intéressant, notamment parce que, il faut que je m'arrête sur ce point, parce que Aragon réagit à l'idéologie sanguinaire qui est promue par un certain nombre de théoriciens nazis, notamment un certain Rosenberg, qui prétendent que le nazisme est en quelque sorte la résurgence salutaire de toutes sortes de croyances propres à l'Europe germanique et païenne. Et Aragon, lui, oppose à cette mythologie régressive une autre forme de mythologie dont il trouve l'illustration donc chez les troubadours français, mais aussi chez quelqu'un comme Chrétien de Troyes, et qui permet la constitution d'un modèle héroïque nouveau, le modèle d'un guerrier Perceval, en quelque sorte, qui est à la fois donc l'héritier lointain des combattants du Graal, tels que la légende nous les a présentés, mais aussi le précurseur ou le chef de file ou le pionnier, enfin le premier des résistants qui doivent se lever en France pour permettre à la civilisation de ne pas être terrassée par la barbarie. Donc voilà, il y a tout ça dans la poésie d'Aragon au moment de la Résistance, avec ce désir donc d'une poésie qui dise, d'une poésie qui sonne, d'une poésie qui résonne, d'une poésie qui fasse sens, d'une poésie qui mobilise, mais aussi d'une poésie qui porte à la connaissance de ses lecteurs et à travers une forme de clandestinité obligée, un message donc qui soit un message sur le monde à l'occasion de la crise terrible qu'il est en train de traverser. Il y a notamment un poème qui est tout à fait. Je vais m'arrêter là-dessus. Je pensais vous parler d'autre chose, mais c'est pas grave. Je reprendrai au point où je m'étais arrêté la semaine prochaine. Mais il y a notamment un poème qui est tout à fait capital, à mon sens, et qui est, à mon avis, trop peu connu. En 1943, Aragon donc est non seulement l'un avec Éluard l'un des principaux poètes de la Résistance, mais il est également, grâce au Parti communiste avec lequel il a renoué dans la clandestinité, Parti communiste qui s'est lui-même reconstitué et qui a pris le parti d'en appeler à l'insurrection armée, consécutivement à l'invasion de l'URSS par le Troisième Reich, ce qui a donc bien sûr mis fin au pacte germano-soviétique. Donc ce renversement de la donne géopolitique donne aux communistes français, sur ordre de Moscou, le signal qu'ils attendaient pour se mobiliser véritablement et complètement donc dans la lutte anti-nazie. Chemin sur lequel Aragon avait précédé sa propre hiérarchie, d'ailleurs, non sans subir un certain nombre de remontrances indirectes pour cela. Donc Aragon est non seulement un poète de la résistance, mais il est aussi un des organisateurs de la résistance intellectuelle, notamment dans la zone sud. Et il dirige un journal clandestin qui est un peu donc en zone sud, l'équivalent de ce que sont les lettres françaises en zone nord.
Et à ce titre, Aragon reçoit, via le Parti communiste français, de manière assez énigmatique, enfin en tout cas, je ne connais pas le détail de l'histoire, Aragon reçoit donc un certain nombre d'informations donc, qui sont passées en France grâce à un déporté qui est parvenu à s'évader d'Auschwitz. Et donc Aragon se retrouve avec, entre les mains, un certain nombre de documents qui atteste en partie seulement, mais déjà en partie, des conditions de détention à Auschwitz et également de l'existence des chambres à gaz. On se demande souvent ce que les Français savaient de la Shoah, et en général, on répond qu'ils n'en savaient rien, et c'était vrai dans un grand nombre de cas, parce que bien sûr, l'information était mal diffusée et elle n'était pas nécessairement connue de tous. Mais malgré tout, il y avait un certain nombre de gens qui savaient, qui ont su. Et Aragon a été de cela. C'est pourquoi, dès 1943, ce qui est très tôt, Aragon signe donc, enfin, il ne signe pas puisque c'est une revue clandestine. Enfin, il signe du nom qui était le sien, il signe de l'un de ses nombreux pseudonymes, Le Témoin des Martyrs, un texte dans lequel il révèle au lecteur l'existence des chambres à gaz à Auschwitz. Et en même temps, il y a tout un débat qui se développe parmi les écrivains résistants sur le fait de savoir si ces informations-là doivent être diffusées ou pas au lecteur. Du côté des éditions de Minuit, et notamment du côté de Vercors, hein, l'auteur du Silence de la mer, on décide de ne pas faire passer l'information parce qu'on considère d'abord qu'elle est invérifiable. Et surtout que si elle est avérée, cette information est d'une nature tellement monstrueuse qu'elle va empêcher toute possible réconciliation entre Français et Allemands en raison de l'horreur absolue du crime qui est en train de se commettre dans les camps de déportation et d'extermination. Aragon, lui, et c'est en cela qu'il est fidèle au principe qui a toujours animé son œuvre poétique. Enfin, toujours, je vais un peu vite, parce qu'après, il ne l'a pas toujours été, mais en tout cas, il l'est à ce moment-là, et c'est déjà quelque chose qui compte. Aragon décide donc non seulement de publier l'information dans Les Étoiles, mais également d'écrire un poème qui sera le dernier grand poème du musée Grévin, donc publié aux éditions de Minuit et à la Bibliothèque française, ou plutôt d'abord à la Bibliothèque française et ensuite aux éditions de Minuit. C'est un poème dans lequel, pour la première fois, apparaît le nom d'Auschwitz, et dans lequel Aragon dit tout ce qu'il sait, qui n'est pas tout, mais il dit tout ce qu'il sait malgré tout, du crime sans nom qui est en train de se perpétuer, d'être perpétré, pardon, à l'est de l'Europe. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'aurais voulu vous parler de la suite de l'œuvre poétique d'Aragon, mais je le ferai, peu importe, je le ferai la semaine prochaine. Thank you.